qu'il est bête, celui-là. Elle a fait le buzz. Chez nous, en Belgique, ça y est, ça a dépassé les frontières. En France, au Canada, partout, elle est là. C'est Anna. Anna, oui. Bonjour Anna. Bonjour. Bienvenue dans le studio de Radio Contact. Merci de m'avoir invité. Mais avec plaisir, d'autant que tu nous écoutes le matin, Anna. Ah oui, bien sûr. Anna, oui. On est ravis de te rencontrer vraiment parce que c'est vrai que t'as fait le tour, t'as fait le buzz complètement. Anna, c'est celle qui voulait sauver la chaise à papy. D'abord, comment est-ce qu'elle va la chaise à papy? Parce que tu voulais absolument la sauver, est-ce qu'elle a été sauvée? Voilà, elle a été sauvée et elle va très bien. Je suis très contente. Voilà, ouais. Tu y tenais très fort émotionnellement, d'où ton énervement. Papy, d'ailleurs, c'est un homme génial. Je pense souvent à lui aussi parce que, voilà, il est pas mort, hein, il est vivant. Hein. Je précise, il est vivant. Alors, hein. Il était un petit peu forcément dépassé par les événements aussi, parce que ça a pris une ampleur assez incroyable au point où tu as dû même, on vient de l'apprendre ce matin, créer ta propre page officielle, la chaise à papy. Oui. Une page officielle, et tu as déposé certaines expressions, enfin l'expression de la chaise à papy est déposée. Voilà, oui, parce que tout le monde en profite un petit peu. Oui, je comprends. Certainement qu'on salisse quelque part ton image. Voilà. Il faut savoir aussi que c'était d'une spontanéité assez rare et authentique. Déjà. Deuxièmement, cette vidéo, tu l'as postée, et puis quand tu as vu que ça faisait une espèce de buzz malgré toi, tu l'as vite retirée. Mais trop tard. C'était trop tard. Profite de rien, non. Juste tu surfes sur une espèce de vague, c'est le cas de le dire aussi, décidément. Il y a toujours des jeux de mots malheureux dans des moments comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a marre de la pluie, il y en a marre des inondations, il y en a marre un petit peu tout ça. On a vu à quel point ça te faisait hurler. Ça t'a énervé. Oui, oui. Donc nous, on t'emmène au soleil, Anna. On t'offre un chèque de 2000 euros de voyage. Oh voilà, parce que franchement, génial, avec tout ça, tu l'as bien mérité, donc tu iras au soleil, te faire j'en plaisir. J'en ai bien besoin. Là où il y a de la sécheresse, tu vois. J'en ai bien besoin. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faudra emmener Fabien avec. Hein. C'est ça le problème. Ton mari, ce sera absolument obligatoire.